Alors, ce soir, nous sommes à notre cours. C'est un cours. L'enseignement, c'est un cours. Dites cours. Nous sommes à l'école de Dieu. Et quand nous sommes à l'école de Dieu, la première des choses à voir, les ustensiles qu'il faut, la Bible, de quoi prendre de notes. Alléluia. Amen. On va essayer un peu d'être précis et concis dans ce que nous allons apprendre. J'aime à le répéter, comme dit Paul, je me fatiguerai pas de dire les mêmes choses. C'est salutaire pour vous. C'est-à-dire, l'enseignement, c'est ce qui fait l'ordre. La prédication, c'est pour nous orienter. Mais ce qui te fait, toi, en tant qu'être humain, c'est quand tu apprends à préparer, c'est pour toi et ceux qui viendront. Après toi. Si on t'apprend à balayer, c'est pour toi et ceux qui viendront après toi. Si on t'apprend à prendre la parole en public, c'est pour toi et pour ceux qui viendront après toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas un temps où on vient s'ennuyer. Ce n'est pas un temps où on vient se balader. C'est un temps où on vient acquérir des ustensiles ou des méthodes, des préceptes. Et on observe des clés qui vont nous permettre à se positionner, à marcher dans le monde, dans la vie. Et pourquoi pas dans le Seigneur. Alléluia. Donc l'enseignement est important. Et Jésus enseignait beaucoup. Il prêchait rarement, mais il enseignait beaucoup. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de ces paroles sont des enseignements, cachés de beaucoup de vérités. Et les explications, il les donnait souvent à ceux qui étaient plus intimes, c'est-à-dire les apôtres. Ça veut dire que il y a des explications que vous aurez quand vous allez retourner auprès du Père. Ouais. Ici, il va vous donner un enseignement général. Parce qu'on est dans une classe où il y a plusieurs niveaux. Donc il y a ce qui est pour toi, il y a ce qui est pour X. Donc ici, Dieu s'arrange à ce que tu reçoives ta portion. Maintenant, quand tu rentres à la maison, Dieu, quand tu le médites, il ramène ça à ton niveau avec le Saint-Esprit. Il va te rappeler ce qu'on t'a enseigné. Donc, pour te rappeler, ça veut dire que tu as déjà mémorisé. Soit par l'écrit, soit par ta mémoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, tu vas faire 10 ans, 20 ans, tu es la même personne. On peut t'imposer les mains, mais tu seras toujours pareil. Ce n'est pas parce que je vais déclarer que demain tu auras 100 000. Ça, ce n'est pas un enseignement. Ça, c'est une prophétie sur une vision qui vient régler un problème ponctuel. Alors que tu as besoin d'enseignement pour enseigner une autre personne à ne plus refaire la même chose. Alléluia. Et l'enseignement est vérifié partout. C'est-à-dire que tu sois à Libreville, que tu sois à Mwanda, aux États-Unis, en France, chez les Chinois, sous la mer, même dans l'air, ça c'est vérifié. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un vous a dit la politesse est une clé qui ouvre peut-être, je ne sais pas, la porte financière, je prends un exemple comme ça, la politesse. Donc, on vous enseigne comment être poli. Donc, on vous enseigne comment être poli. On n'est pas poli. Sinon, beaucoup d'êtres sauvages. On ne sait même pas dire bonjour aux gens. Mais on nous a appris à être poli. Donc, quand tu te lèves, tu dis bonjour, s'il vous plaît, je voudrais. Donc, ça, c'est des formules de politesse. Quand tu veux dire t'adresser à une grande personne, tu ne diras pas maman, papa. Ça, c'est pas la politesse. Ça, c'est la familiarité. Mais quand vous voulez être quelqu'un de respectable, vous allez dire monsieur, madame. Alléluia. Amen. Faut que les choses soient bien claires. Je suis peut-être ton fils quand tu vois en âge. Mais quand tu veux me respecter, par formule de politesse, tu diras pasteur. Ça, il faut qu'on tombe d'accord là-dessus. Ça n'exclut pas que tu sois ma mère, que tu sois mon père. Mais quand on est dans un cadre bien donné, c'est monsieur, madame, mademoiselle. Quand tu appelles mademoiselle, ce n'est pas l'injure. C'est du respect. Certains prennent ça comme si on les insultait.
c'est des formules, les bonnes caisses. Madame, c'est parce que tu occupes une fonction. Mademoiselle, peut-être parce que tu es encore, tu es pas marié. Vous n'êtes pas dédié, jeune fille. Tu as trouvé compter sur. Donc, il faut des choses qui sont concrètes comme celle-là. Alléluia. Amen. Je n'ai pas encore commencé mon message. Il faut que je pose les bases. Il faut que nous comprenions ce que nous voulons faire à l'église. Parce que si ce n'est pas compris, nous ne pourrons pas avancer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous sommes frustrés. Nous restons dans certaines choses parce qu'on ne nous les explique pas terre à terre. Alléluia. Amen. Beaucoup même qui sont dans les postes de fonction n'avancent pas parce que ce qui est simple n'arrive pas à le faire. Dieu est clair. Si tu n'es pas fidèle dans ce qui est simple, ce qui est compliqué, tu auras du mal à l'accomplir. Nous, on pense toujours à la richesse, on pense toujours. Non, les choses simples comprennent l'effort. Donc on dit que les choses les plus élémentaires, c'est celles-là qui sont les plus puissantes. Un bonjour peut te sauver la vie. Amen. Un site de bleu peut t'amener au palais. Alléluia. Amen. Avant, c'était s'il te plaît tous les jours, s'il te plaît à quelqu'un. Vous êtes peut-être dans le même bureau, vous êtes dans le même quartier. Il y a des messieurs personnels. Vous êtes une personne. Je dis, je vais venir ici quand ça se fait comme ça. Un jour, on pense à toi. Puis, tu n'as pas quelqu'un qui proposait à cause de toi, s'il te plaît, qui est quoi une formule de politesse. Alléluia. Amen. Les choses que nous devons apprendre, exemple à nos enfants. Alors, quand j'ai dit ce qu'on vous apprend, vous aurez à l'enseigner aussi à d'autres personnes. Le pasteur a dit quoi, tu veux quelque chose, tu lui dirais, ouais, je veux l'argent d'assez. Aucune forme de politesse, s'il te plaît, j'ai besoin d'argent d'assez. Rien que le s'il te plaît, crée même l'argent. Amen. Même s'il ne voulait pas te donner, mais à cause du s'il te plaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je suis dans mon message. J'ai dit, je n'ai pas encore commencé. Mais je suis dans mon message. Vous allez me demander comment. Je commence le message par ces exemples. Pourquoi? Le thème du mois ou des deux mois, c'est atteindre ses sommets. On parle des sommets. Qui dit sommet, on voit quelque chose de haut. Dites haut. Oh. Donc on parle ici. Atteindre certaines hauteurs, dites hauteur. Alléluia. Amen. Ça veut dire que vous êtes à un certain niveau. Vous voulez franchir pour arriver à un niveau supérieur. Alléluia. Amen. Pour ceux qui sont à l'école, vous allez voir, il y a le premier niveau, qu'on appelle peut-être la maternelle. Après, il y a un deuxième niveau. On passe au pré-primaire, je crois. Après, on passe au primaire. Après, on passe au secondaire. Vous voyez que ce sont des niveaux. Ainsi de suite, quand vous êtes célibataire, c'est un niveau. Vous êtes d'accord avec moi? Après, passons au niveau de quoi? De fiançailles ou de proposer. Après, c'est là où on entre dans la phase de, pour ceux qui ont commencé la vie d'une manière un peu, ils n'en pas de votre faute, peut-être. C'est le concubinage. Hein? D'autres vivent peut-être dans la fornication. C'est un niveau. La vie, c'est une question de niveau. Alléluia. Amen. C'est une question de niveau, la vie. Aujourd'hui, je vais te dire, mon frère, ta vie ne vaut rien. Tu vas croire que je t'ai insulté, mais sur le niveau avec lequel tu comprends la parole que je suis en train de te donner. Si tu le prends terre à terre, on va dire à quel niveau? On va aller voir le niveau scolaire. Parce que tu as réalisé avec le niveau de connaissance que tu as. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi atteindre ces sommets? Il y a des sommets dans lesquels tu ne peux pas franchir si tu n'as pas certaines clés. Ouais. Alléluia. Amen. Il y a certains qui n'ont pas de boulot. Pourquoi? Parce que soit ils ne savent pas faire un CV. Ils font des CV, mais ils ne savent pas faire un CV. Le CV, tu vas pouvoir les embaucher. Ouais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pareil dans le ministère. Il y a des niveaux. Pas terre avec le Seigneur parce que vous avez encore la clé qu'il faut, la clé qui déclenche la chose. Yes. Vous pourrez aller dans certaines églises, mais si l'église n'a pas le niveau du problème que tu recherches, tu vas changer l'église. Ouais. Alléluia. Ouais. Comment vous pouvez arriver dans une église où le niveau est trop fort?
Vous ne comprenez rien. Parce qu'on dit qu'à la base, l'église vient des gens qui ont appris. Alléluia. Le niveau peut être nouveau, peut-être des paroles. Le niveau peut être nouveau du vêtement. Vous allez dire que lorsque je ne trouve pas, dans cette église, les gens s'habillent trop bien, moi je suis comme quelqu'un qui me vient du village. C'est un niveau, c'est une façon de voir les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça vous bloque dans beaucoup de choses quand vous le faites. Alléluia. Amen. Et ça, parce que même la Bible dit, quand vous demandez mal, c'est un problème de niveau.